Talking about getting all these kind of results, Madam Secretary General mentioned, it is of course not possible to do it only by the Secretariat. It is not possible to be only do this by a single working group, but it is always the individuals which are behind, and it is always to talk about the colleagues. And it is that a few of them are really with us a long time, even these 15 years already. And therefore, it is of course worth to mention them especially. And therefore, we have prepared some kind of, let's call it an official surprise. And I may hand over to my dear Deputy Chairman, Vice President Ramin Gurbanov, who is the mastermind of the next few minutes, providing a short flashback on personal level into the beginnings of CEPESH. Ramin, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, membres de la CEPESH, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la 30e réunion plénière de la CEPESH. Cette réunion diffère des autres, car nous avons une chance historique de participer à la célébration du 15e anniversaire de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec confiance qu'au cours des 15 dernières années, la CEPESH a prouvé son importance pour le système judiciaire en Europe et même au-delà. Il est devenu l'autorité qui joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de la justice au sein des États membres du Conseil de l'Europe. Grâce à l'excellent engagement de tous les membres et experts de la CEPESH, son travail et ses connaissances se sont répandues parmi la communauté judiciaire et ont été appliquées dans de nombreux projets concrets. C'est pourquoi il ne s'agit pas de remercier uniquement les anciens présidents et vice-présidents pour leur enthousiasme, mais également tous les experts nationaux et scientifiques, les membres des groupes de travail, le bureau et le secrétariat pour leur engagement actif et professionnel et leur dévouement au travail de la CEPESH, en particulier ceux qui ont participé de manière continue pendant 15 ans. En la matière, je voudrais souhaiter un détail important. Après examen de nos 15 années d'expérience, nous avons pu constater que parmi les pays dont les représentants avaient participé aux travaux de la Commission de manière continue et ininterrompue, figuraient les 5 pays suivants: l'Andorre, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie et la Lettonie. Permettez-moi à ce titre de les inviter à nous rejoindre, de les en remercier. The next is Latvia. So now Finland. Thank
Congratulations to the representative. And the next is Germany.